Bonjour, nous voici cette semaine pour une nouvelle review d'un tour qu'on aime bien et qu'on a appelé Démoniaque Casino. Alors c'est pas nouveau, c'est vieux, il existe plein de versions avec des rondelles, des pièces et tout ça. Nous on l'a fait avec des jetons de casino, ok, et en plus des jetons Bicycle. Donc pour ceux qui aiment vraiment la marque, c'est cool, c'est du jeton Bicycle. Un jeton avec un trou, un autre jeton avec un trou. Et l'idée est la suivante. Thierry, tends-moi la main de ce côté. Voilà, de ce côté, je vais te mettre un jeton avec un trou ici. Et moi, je vais tout simplement garder l'autre. Et l'idée est très simple, c'est de faire voyager le jeton ici. Enfin, pas le jeton, mais le trou. Regarde bien, juste en frottant comme ça. En frottant comme ceci, je vais juste passer devant et je vais essayer de retirer le trou et de l'envoyer. C'est-à-dire que si maintenant j'ai plus rien ici, c'est que peut-être le trou a voyagé. Tu peux ouvrir? Et maintenant, tu as toi les deux trous, et moi sur le mien, Oh, hop là, et moi sur il le est encore mien, vivant. plus rien du tout. Bizarre. Ah, c'est vrai, je te vois faire souvent au comptoir, c'est vrai que C'est, l'effet est génial. ça marche très très bien, c'est d'une simplicité étonnante. Ça reste quelque chose de très simple à faire, hein, mais l'impact sur les gens, c'est vraiment exceptionnel. On arrive, on montre deux jetons avec un trou chacun, et un trou qui vraiment qui disparaît, c'est ça qui est intéressant pour les gens. Alors que ça reste quelque chose d'une technique relativement simple. Mais de voir quelque chose qui disparaît, on voit entre guillemets tout le temps le jeton, boum, on enlève le trou. Donc déjà c'est quelque chose de physiquement impossible. Et ça apparaît dans leurs mains, c'est vraiment, vraiment très très beau. En plus, tu peux tout donner à examiner à la fin. Ouais, c'est ça qui est bien. Il y a beaucoup d'avantages. C'est pas des cartes. Exactement. C'est de la magie debout. Tu peux sortir ça. Si t'as pas de table, tu peux le faire. Il n'y a que Exactement. des avantages. Et encore un autre avantage, s'il y en a un qui connaît, par exemple, eh ben, le gros avantage, c'est que c'est pas cher. Donc ça vaut pas le coup de se le fabriquer tellement on le vend peu cher. Ben, tout à fait, puis en plus, Les jetons sont voilà, les jolis. jetons sont quand Ouais. même de bonne facture. C'est des jetons qui. Enfin voilà, c'est quand on les lâche, on sent que quand même ça fait. Il y a du poids. Alors, c'est des jetons qui sont entièrement en plastique, mais qui sont de bonne facture. Donc ça reste joli. La petite cordelette, bon là, je l'ai enlevée tout de suite, mais à la base, on montre et on dit attention, vous allez dormir, vous allez voir, hop, on va rentrer dans un état d'hypnose, On tout a fait ça. une autre Il y a une autre vidéo en vidéo, direct. là c'était juste une vidéo vite fait pour vous montrer entre guillemets la simplicité. De l'effet, mais voilà, ça fonctionne vraiment, 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 vraiment très, très bien. Donc faites-nous confiance sur ce truc-là. L'effet sur le spectateur est vraiment, vraiment très, très bon. Surtout que les conditions, quand vous faites ça, bon là, je suis assis, on va dire, c'est enfin, une condition différente que forcément si on était debout, mais que vous soyez assis, debout, ou derrière un comptoir, ou ce que vous voulez, la condition restera entre guillemets quasiment la même, parce que les gestes qu'on va faire et qu'on va effectuer pour faire cette routine, pour ceux qui disent ah oui je suis assis, c'est beaucoup plus simple des fois de faire des tours assis par rapport à des trucages, là même debout c'est exactement la même chose. Tout est fait dans la routine pour que vous soyez entre guillemets clean au début, clean pendant et forcément ben, clean à la fin puisque on donne tout examiner. Donc vous Oui, inquiétez pas sur ça, tu c'est nous vraiment. expliqueras tout de toute façon. Exactement, donc j'expliquerai tout, bien sûr la passe qu'il faut faire, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu, on voit bien qu'on fait un moment un spellbound qui sert à faire quelque chose. Et voilà. Donc Donc là, on a un bicycle vert, là on a bicycle en vert, on a noir, du du rouge. noir, du bleu, du rouge, alors on a beaucoup de vert. Attends, Donc je vais les chercher. Donc là, on a ça comme on couleur. disait donc on a du vert, du rouge, du noir et du bleu. Alors vous pourrez pas choisir la couleur parce que voilà, c'est si les gens veulent que du rouge, ben on n'en aura peut-être pas assez, on en Vous a peut-être pouvez une. dire, tiens, s'il y a un rouge, mais dans le Vous pouvez commentaire. quand même dans le commentaire, on sait jamais, s'il nous en reste effectivement de la couleur que vous voulez, on vous la mettra, mais si il n'y en a pas, on vous mettra ce qu'on a. Donc pour l'instant, on a des jetons bicycle, donc ça reste joli. Ça sera marqué dans le descriptif parce que peut-être que le jour où vous regardez cette vidéo, on n'a plus de bicycle. Parce que Exactement. là, j'ai réussi encore à en avoir, mais si un jour on n'en a plus, peut-être que ça sera fait avec d'autres jetons, mais ça sera marqué dans le descriptif. Donc pour l'instant, c'est les bicycles. On a quatre couleurs. Peut-être que dans un mois, on n'aura que du bleu ou on aura d'autres jetons. Donc profitez-en surtout pour le prix et surtout parce qu'elles sont jolies, ceux-là. Et vous pouvez nous laisser un commentaire en disant ben, je préfère le rouge, je préfère le vert. Si on les a, on vous le met volontiers. Pour nous, c'est pareil.
Exactement. Voilà, donc je sais pas quoi dire de plus sur ce truc-là. Oui, le transport. Allez, plus on va dire le trucage, mais voilà, donc ça tient dans ça, hein, pour dire. Voilà, parce que c'est vendu dans ça et dans ce Ça, tu petit le mets souvent dans plastique. ta veste de la chemise et t'as plus qu'à la Ah sortir. bah oui, bah là c'est des jetons, donc de toute Enfin, manière, dans ta poche, pardon. les Oui, enfin j'ai compris ce que tu voulais dire, mais les gens de toute manière ont des pièces sur eux, des téléphones, et alors c'est pas avoir entre guillemets un petit morceau de ficelle, et encore la ficelle, je l'utilise quasiment jamais, mais c'est vrai que c'est joli quand on le sort parce que ça justifie qu'il y a un trou, enfin que les deux jetons sont troués et qu'on tient ça avec la ficelle comme un pendule, mais enfin voilà, c'est. Regardez la Le... démonstration, vous verrez, c'est Et puis sympa. bon, et le reset est instantané, hein, c'est-à-dire que là je prends mes jetons, tu tournes la caméra, tu reviens une demi-seconde, c'est prêt. Et là, la ficelle est noire, des fois elle est rouge, donc c'est pas important. Oui, exactement. Ça, Voilà. c'est. Nous, on met ça parce que c'est pour faire ce fameux pendule. On a les deux jetons qui sont dedans. On montre, on sort comme ça deux jetons ici. Le fait de les tenir en fait deux jetons là et ensuite d'enlever la ficelle, ça justifie encore bien que la ficelle passe par un trou et non pas un miroir ou quelque chose comme ça. Voilà. Voilà, donc je crois que j'ai tout dit. J'espère que cette petite review, on va dire, brève et directe, vous a convaincu. Encore une fois, faites-nous confiance, vous ne serez pas déçus par cet effet. Je vous garantis que c'est vraiment très très bon sur le spectateur. Allez, à la semaine prochaine.